passé pour une dingue, pour le télé, toutes ces années. Passé pour une dingue, pour le télé, ils vont le regretter. Le jour où l'addition va être payée, va être tranquillement installée. Quand tu repenses au mois de mercredi, ah c'est sûr, qu'est-ce qui va rester à nos gamins dans 20 ans, même pas 100 ans. Qu'est-ce qui va rester à vos gamins, même pas une miette, même pas des miettes, tout ce qui est. Ouais, même si t'es pas une météorite, ça sera vous-même, pas votre connerie même. Vous en perdez le contrôle du pognon et du pouvoir. Le juge te dise, c'est la triste réalité que j'ai même pas pouvoir commencer. C'est 10 ans de ma vie bouffée par la psychiatrie. Et le reste, mais sans déconner, parce qu'ils voulaient partir au Canada avec Padula, comme le plus cher qui n'a pas pu exhauster. C'est pour ça que mes rêves sont une irréalité. La triste réalité, c'est qu'ils ont fait des vœux qu'ils n'ont jamais respectés. Ouais, comment en arriver, heureusement une fois arrivé, elle me fait pas des. Au moment de la tête, quoi, comment prononcer, ça suffit pas qu'un juge t'a pas coupé la tête. Ça suffit pas qu'un juge t'a pas coupé la tête. Apparemment, faut plus que quelqu'un pour ne pas avancer. Faut plus que quelqu'un sur ne pas avancer. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Au moins on verra qui c'est le point de vue dans l'histoire. On verra mon esprit, il voit des histoires que les coups se prennent avec les têtes. Des croix avec les lances à plus de maquin. Apparemment, peut-être que comme ça je retrouverai mes comptes et ma dignité. Mes comptes et ma dignité. C'est la triste réalité. On se demande quoi en arriver. Hey monsieur Fadé, au moins du latin correctement prononcé. Seulement une fois arrivé, tout le monde perd le contrôle du pognon et du pouvoir. Juste qu'on parle beaucoup de l'ordre des Illuminati, mais très peu de l'ordre des Templiers. Dirige un mur, on ne lave pas, mais quel affroid, dirige un mur. Quand je suis prêt, pas, je sais pas qui ou je sais pas quoi. Mais quel dieu voudrait ça, mais quel dieu voudrait se merdier quand je massacre avec brutalité. Quel dieu voudrait se massacre avec quelques mêmes histoires répliquées. Au fond de la forme, personne n'est parfait, c'est sûr. Personne n'est parfait, mais au fond, on est respecté par les arts, donc on fait des fois si c'est clair. Voici un enfer sous terre de 2000 ans de conneries. 2000 ans de conneries, c'est le petit génie, c'est vécu sur une fois. À tous les croyants, son père était bon charpentier. Yo. Ouais, son père était bon charpentier. Accomplir l'impossible, c'est pourquoi je t'ai envoyé programmer. Te dire qu'impossible n'est pas français, avec tout ce qui s'est passé. Hey monsieur Padé, pour toujours ça vous pouvez plus y compter, monsieur Padé, pour toujours vous pouvez plus compter. Hey tout ce qui s'est passé, le marqueur indélébile, qui est le passé, qu'on ne pourra jamais effacer. De toute façon, il y a des choses que vous excès. Je ne veux même pas dévoiler, parce que je me rejette, ça a été un enfer sur terre, plus en est. Un enfer sur terre, plus en est, qui m'a massacré avec brutalité. Et bien sûr, je me fais des idées. Quand ils arrivent bien, ils sont passés pour le ciseau. Pour le pognon qui est derrière mon dos, pour le dieu pognon, ils verront. Le jour où ils me cassent un plomb, ils vont le rejeter. Et l'addition va essayer, va être salée, sacrément salée. Quand le truc vous tombe sur la gueule, j'aimerais plus rien embranler. C'est pas la peine de venir à mon chevet. Quand le truc vous tombe sur la gueule, même de me plier. Et même si c'est la vie au passage, c'est pas la peine, vous n'avez pas tenu vos promesses, vos engagements. Vous n'avez pas tenu vos promesses, vos engagements, ça les arrange bien, je vais toucher la CAF et me faire passer pour un kilo, pour le pognon qui est derrière mon dos.